t'organises mieux que ça. Puis toi, là, il faut que tu te décides. C'est tout décidé. C'est pas parce que tu mènes ton vieux par le bout du nez que tu vas faire pareil avec moi. Premièrement, je mène pas Edouard par le bout du nez. Puis deuxièmement, ton attitude a de l'influence sur moi, sur tes collègues, puis sur tout le monde autour de toi. Tu peux pas le nier. Je le nie pas, mais c'est comme ça. Puis si je démissionne, si je démissionne une fois pour toutes du syndicat, de toute façon, je me tape tout le boulot pendant que toi, tu perds ton temps à enseigner le surréalisme à des étudiants qui veulent devenir vétérinaires, ingénieurs. Tu vois pas ça. Ben, sais-tu quoi? J'y pense de plus en plus. En 30 ans de carrière, Mireille, chaque fois que tu as pris tes distances avec le syndicat, de gré ou de force, t'as toujours piqué du nez. Tu l'as dans le sang, le syndicat. Tu t'en iras jamais. OK, je pars. Je donne ma démission sur le champ. Fais pas ça, tu vas le regretter. Bon, ben alors, décide-toi. Veux-tu, oui ou non, qu'on monte un dossier contre le collégial? Non, je te l'ai dit. Bon, ben alors, tu t'arrangeras tout seul. Que je te donne des raisons supplémentaires de ne pas faire ça. Premièrement, que j'enseigne au collégial, c'est un plus pour le secondaire. Ça me permet d'être partout. Pas d'accord. Ensuite? Ensuite, la commission scolaire nous prépare une autre Saint-Valentin. Un massacre comme il y a 6 ans? Mais ils se préparent déjà à mettre les plus vieux à la retraite, oui. Puis qui t'a dit ça? Pas pour rien, j'étais à Québec. Le ministère a déjà lancé l'idée à la centrale. Mais s'ils font ça, c'est non seulement inconséquent, mais en plus, c'est suicidaire. Mais ils vont le faire pour les éternelles mêmes raisons. C'est que plus tu montes dans l'échelle de l'ancienneté, plus tu coûtes cher. Et forcément, rendu au top, tu coûtes trop cher. Oui, mais ça, c'est vrai pour les actuaires épais du néolibéralisme, pas pour le monde ordinaire. Mais pas pour qui, là? C'est une réalité. L'expérience qui coûte trop cher en enseignement, voyons. Donc, depuis quand? Mais ils sont persuadés que l'ancienneté optimale se situe à 10 ans. Après ça, tu piétines, même si ton revenu progresse. L'objectif, c'est d'avoir des profs d'environ 30 ans. Ben, j'espère que tu leur as dit qu'on n'était pas d'accord. Non. Comment ça, non? Je pensais que c'était une bataille qui te revenait à toi, enfin. Hey, toi aussi, t'es un vieux. Donc, tu coûtes cher. Oui, mais moi, j'enseigne au collégial. Ma femme est riche. Hein, puis au pire, je pourrais prendre du temps pour écrire, pour regarder mon fils grandir, alors que toi, enseigner géo en secondaire 3, c'est toute ta vie. Calme-toi. C'est une pogne, man. Il n'y a pas de pogne à travailler chez lui. Hein? Moi aussi, je pense ça. Ils vont me faire travailler pour rien. Ah, en disant qu'ils nous aident. Non, on peut se faire du fun. Toi, t'es rigueur à cette heure, ça me touche pas. Je viens de la même place que vous autres. Aide-moi donc, toi. Ouais, ça marche pas avec moi, ces affaires-là. Ben, moi, je pense que ça pourrait être le fun. Tu changes d'idée. Ben non, mais ce que je veux dire, c'est que ça pourrait être vraiment le fun, mais le snack était vraiment nous autres. C'était épais. Ben, pas tant que ça, quand même. On peut pas acheter le snack, il irait de vous capoter. Non, mais ça a l'air que c'est ça qu'ils font à l'université. Ils achètent des commerces, puis c'est les étudiants qui sont propriétaires. Comme quoi? Ben, comme des bars, des discothèques, mettons, là. Ils appellent ça un auto quelque chose, là. Autogéré. Mon père était dans le café campus dans l'ancien temps. Autogéré. Bon, on pourrait peut-être faire quelque chose avec ceux de la technique administrative. Ils font des projets de business. Tu vois, là, ça, c'est une affaire qui me tenterait. On l'achète, on leur part mieux que t'es remblé dans le temps. Puis elle, là, on te la calisse d'or. Moi non plus, je ne l'aime pas. Moi non plus. Puis l'irette, qu'est-ce qu'on fait avec? C'était touchante. Non, mais comment je peux me retrouver dans une situation pareille? Veux-tu même le dire? Parce que t'es pas capable de dire non. Non, ça, c'est mon problème. Ça te prendrait un entraînement aux habiletés sociales, toi? À quoi? Une thérapie pour apprendre à dire non. Je fais des farces. Non, 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 pas moi. Je pense que ça pourrait m'aider. T'as peur de faire de la peine aux gens? Ça se voit tant que ça. T'as aucune obligation envers moi. Mais non, tu comprends pas, là. Non, non, je suis sérieux. Non, non, tu comprends pas. Je veux dire, tu sais, Bernard aussi, Stéphane aussi. T'sais, quand les gens sont pas fins ou sont détestables avec toi, c'est bien facile de dire non, mais quand... Quand les gars rivalisent de gentillesse, c'est moins simple. C'est ça. Il y a au moins un avantage. Ah oui, j'en vois pas. Ben oui. T'en manques juste un de faire une table de poker. Comme ça, quand tu seras rendu au 5e, on pourra passer nos soirées en gars. Le spécial lirette. Sans gras trans, s'il vous plaît. Oh, pas de gras trans dans les frites, ça me surprendrait. Bon, il y en a peut-être un peu, mais ils sont tellement bas qu'on dirait qu'il n'y en a pas. Vous m'avez dit que vous êtes psychiatre. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour toi? Pour moi quoi? Mais je sais pas, vu que tu files pas bien. Ben, en fait, c'est parce que... Oui, oui, c'est une forme d'accompagnement, le docteur Marcoux m'aide pour mes parents. Ah, ça, c'est un beau métier que vous avez là. Moi, je manque pas une journée. Hein. Une journée? Ben, le Doc Mailloux,
Quand c'est calme l'après-midi, là, je mets ma radio, puis je l'écoute. Ça, c'est un monsieur qui a beaucoup de choses à dire. Ouais, en fait, c'est parce que... Mais il s'en fâche pas des fleurs du tapis, hein? Moi, je fais comme lui depuis 40 ans, hein? Le monde le sait pas, vu que je fais dans la patate. Mais dans le fond, là, la psychiatrie, c'est l'art de dire la vérité pour faire changer le monde. Hey, j'en ai eu des patients en 40 ans. Mais... Vous savez pourquoi? On dirait que l'odeur de la frite, je sais pas, mais l'ambiance, ça favorise la confidence. Bon, M. Lirette, on parle, là. Ben, excusez-moi, pardon, c'est parce que quand je parle de mes patients, je veux dire du monde, je m'emballe, hein, puis je perds toute notion du temps. Mais, ah, Doc Mayou, ça. Ah, oui, ça, c'est mon côté Doc Mayou, ça. Comment ça se passe ici? On s'arrange, on s'arrange. Jean-Maman est pas là? Elle joue aux cartes en bas, au salon communautaire. Les aides ménagères sont venues? C'est pas d'avance. Pourquoi tu dis ça? Ça sait pas faire le ménage. Pour voir si on peut rendre une maison propre en deux heures. Ça fait des coins ronds. Ben, c'est correct, je trouve. À ton œil, oui, mais pour le mien. Je vais le dire au gérant. Il faut nous prendre en grippe. Ça fait trois fois que je lui dis. Vu qu'il reçoit son chèque de loyer, pour le reste, c'est du semblant de service. Moi aussi, c'est du semblant de service. Je te trouve bien optimiste puis de bonne humeur à part ça. T'as changé depuis une couple de semaines. Y aurais-tu un homme derrière ça? Dis jamais ça devant Alice. Elle est à Nantes, elle arrête pas de m'achaler avec ça. C'est qui, c'est quoi son nom? Le connais-tu? Non. Je suis tellement contente. Tu te mérites. Je pense que oui. Il est plus jeune, plus vieux. J'aime mieux pas en parler tout de suite. D'un coup que ça marcherait pas. Tu comprends? Mais parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça t'a pas fâché que je te pose un lapin? Terriblement, oui. Toi, parle-moi donc de toi. Ben moi, je pense que, regarde, je deviens folle. Mais non, je suis bien placée pour le savoir. Non, non, mais c'est parce que ça se peut plus, là. Je faisais déjà de la peine à Bernard, pas à Stéphane, puis maintenant à toi aussi, tu sais. Je me comprends plus. J'ai toujours été la femme d'un homme. C'est comme si chacun de nous comblait tes besoins, c'est ça? Mais je peux-tu être sincère, là, vraiment sincère? Ben, j'espère. On dirait que quand je dis quelque chose sur Bernard, sur Stéphane, sur toi, j'aurais tout de suite envie de m'arrêter parce que c'est incomplet. Disons, si je dis, Bernard, pour moi, c'est la stabilité, c'est les souvenirs. À quelque part, ça me fait de la peine parce que Bernard, c'est beaucoup plus que ça. Stéphane? Lui aussi, c'est pareil. Puis moi? Toi, t'es le... Ben, t'es le premier homme que je rencontre avec qui je ressens ce que je ressens là. C'est quoi? Une absolue confiance. Ta cousine m'a demandé de retourner voir ta mère, sais-tu pourquoi? Tu me tiens. Ah, je suis tellement heureux que tu aies enfin accepté ce repas à trois. Moi, encore plus. Pour bien manger. Oh, arrête, mauvais coucheur. Je sais que tu nous as pardonné. C'est vrai que t'as compris. Tu nous en veux plus. Je vous en veux encore, je vous en voudrai toujours. C'est pas ça que tu m'as dit ce matin? Ce matin, je t'ai dit que je me faisais à l'idée qu'il y avait peut-être réellement une bonne intention derrière votre trahison. Mais c'est pas une trahison, dis pas ça! C'en est une. Laisse-le parler. Vas-y. Mais pourquoi vous m'en avez pas parlé avant? Tu nous écoutais pas! Peut-être, mais il aurait toujours été temps de faire le signalement après. Votre façon d'agir est inqualifiable de la part d'amis sincères. Bon, d'accord, mais le résultat est quand même là. Mais au prix d'une souffrance terrible. Mais là, on dirait que ça va mieux. Moi, je sais pourquoi. Je suis pas prêt à parler de ça. Cynthia malheureuse, pourquoi tu penses ça? Mais parce qu'elle me l'a dit. Je te sens ambivalent. Par rapport à Cynthia? Peut-être. On dirait que tu m'en parles sans vouloir m'en parler, que tu me dis des choses sans vouloir me les dire. Est-ce que tu essaies de me mettre en garde contre elle? Non, non. Donc? Bon, je sais, c'est peut-être l'esprit de famille. L'esprit de famille, c'est important que ça? Très. Non, attends. C'est des choses que je dois savoir, dis-les-moi, je vais l'avoir tantôt. Un petit dessert? Non, merci. J'ai un petit pudding chômeur. Non, merci. Non, juste un café. Ce que je disais tantôt, là, pour la psychiatrie, là, c'est pas de la prétention de ma part, là. J'espère que vous n'avez pas vous seul main. Non. Monsieur Lirette, on parle. Oh oui. Est-ce qu'il y a des choses que je dois savoir, ça, Cynthia? Pourquoi mouler ton bonheur? Le bonheur est un mot que j'exècre. Derrière tout bonheur, il y a un malheur qui attend, tapis dans l'ombre.
qui attend le meilleur moment pour vous tomber dessus et vous faire regretter chaque seconde de naïveté, chaque minute de candeur, qui va vous faire regretter du tout moment de félicité. Le bonheur est un leurre qui n'a d'autre utilité que d'éviter la mise en œuvre des seules pulsions saines, celles qui vous poussent à en finir avec la vie. Saint-Aigué? Il l'a cru, mais il ne le croit plus vraiment. Allons, dis-nous la vérité. Maintenant que Daniel est dans ta vie, les nuages se dispersent. Daniel, le prof de lettres du sujet? Il est amoureux. Ta gueule! Je te défends de parler de ça, as-tu compris? Oui. As-tu compris? Oui, 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 mais pas moins fort, les gens nous remarquent. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai un fils comme toi, t'en as un. Oui, j'ai vécu des moments difficiles, puis je vais en vivre encore. Mais je veux pas qu'il pense que la vie, c'est plate, c'est dur, puis que c'est pas le fun. Mais alors, tu n'as qu'à lui mentir. Pas besoin de mentir, Julien. Je me parle. Et ça revient au même. Pas dans mon cœur. Dans mon cœur, c'est tout le contraire. Patrick? Cléduc. OK, puis Violette, elle? Elle est malade. Comment tu le sais? Elle l'a dit hier. Elle t'a dit hier qu'elle sera malade aujourd'hui. Y a-t-il quelqu'un qui sait pourquoi Violette n'est pas en classe aujourd'hui? Elle gardait ses frères et ses sœurs. OK, on commence. Sylvain, il va-tu revenir dans la classe ou...? Ben, juste pour l'anglais. On y a fait une place en régulier pour les autres matières. Le principe essentiel de la poésie, c'est l'émotion. Mais l'émotion dans le mot, l'émotion par le mot. L'émotion qui se réifie dans la déliquescence de l'être, dans sa dissolution, dans la sensation à l'état brut. Quand la poésie atteint son but, on n'est pas dans la communication d'une émotion pure et simple, on est au-delà de ça. On est dans une dimension surélevée. Une dimension qui permet à la jouissance créatrice de s'exprimer et de toucher l'autre là où il est le plus vulnérable. C'est pour ça que Rimbaud disait que la poésie, c'était un dérèglement de tous les sens. Rimbaud. Le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie, il cherche lui-même. Il faut que tu penses dans ta tête que l'auxiliaire, il sert à dire est-ce que j'ai quelque chose ou est-ce que je suis quelque chose. Peux-tu avoir ta naissance? Ben oui. Tu peux avoir ta naissance? Ben je peux être mon apparence, ça voudrait dire que je pourrais dire je suis paru. Je sais que c'est compliqué, la langue française, puis particulièrement là, la question des temps de verbe, mais bon, vas-tu dire Pierre-Paul est l'apparence d'un beau garçon ou Pierre-Paul a l'apparence d'un beau garçon? Ah. Ah, OK. Puis pour la question de l'accent circonflexe sur le « i », il faut savoir d'où vient l'accent, puis pourquoi on en met un. Les verbes avant, comme ça, s'écrivaient avec un « s » de plus dans leur orthographe. Donc, paraître comme ça. Alors, c'est une quintessence. Qui va me donner une ligne pour illustrer ce que je viens de dire? Toi. As-tu une ligne pour moi? J'ai rien compris. Bon. Avez-vous vu poésie en cheminement? Oui, mais C'était pas comme quoi? Ben, comme toi t'en parles. Ben, vous avez déjà vu des poèmes? Ben oui. Ben, comme quoi? Ben, mettons, comme des chansons. Mettons comme des chansons, comme quoi? Georges Brel. Jacques Brel, Georges Brassens. Quelle chanson de Jacques Brel? L'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Ben, c'est pas ça le titre. Oui, oui. Mais ben, c'est loin d'être sa meilleure. On va excuser Sylvain, il y a des années à rattraper. Mais là où la naïveté de Sylvain a quand même du bon, là où son ignorance nous aide, c'est justement qu'elle nous permet d'apprendre cette chose importante qui est que c'est pas parce que ça rime que c'est de la poésie et c'est pas parce que c'est larmoyant que ça nous rend plus intelligents. Donc, si j'écris, tu parais. Puis que l'accent circonflexe remplace le S disparu, ben là, c'est comme si j'écrivais « tu parais comme ça ». Donc, pas d'accent. Ça va-tu, Yannick? Ah, oui, oui. Toi, as-tu un exemple? Connaître. Oui, effectivement. Il a connu. On veut dire « il est connu » aussi. Ça va pas bien avec l'autre psychiatre. Ah non? Pourquoi? Ben, il rappelle pas. Mon oncle veut pas revenir. Oh, OK, je le rappellerai. Comment ça va, Mme Boivin? Gagnon. Mon nom, c'est Gagnon. Ah, je savais pas que vous aviez... J'attends toujours pour mes nouveaux examens. Ben, quand on connaît pas de spécialiste, on attend. Je vais aller chercher mes papiers dans la chambre. Ma tante, ils sont pas dans la chambre. T'es-tu occupé tantôt? Ah ben, faut que je passe à l'hôpital à 4 heures, là, mais... T'as le temps d'aller prendre un verre? Pourquoi?
pour jaser. Je vais aller l'aider. Elle les trouvera pas. Danielle est une femme extrêmement plaisante à fréquenter. C'est une femme de tête. Je m'entends très bien avec elle. Excusez-moi. As-tu entendu ça? Oui, oui, oui. Comme toi. Mais c'est épouvantable. Ne sortons pas trop rapidement aux conclusions. Qu'est-ce que je t'ai dit l'autre fois? Je sais, mais... Harold, je l'ai vu, Daniel Courtemanche, avec un œil au beurre noir. Je l'ai vu de mes yeux vus. De là à prétendre que ce serait Julien qui l'aurait... Écoute, cet homme-là est en train de devenir complètement fou. Il me fait peur. Oui, non, maintenant, il va mieux. Écoute-moi bien, Harold. C'est pire que ce qu'on pensait. Hey, on a-tu bien fait de sortir Virgile de là? On a-tu bien fait, oui ou non? Je suis aussi démuni que toi. Je suis pas loin de penser que la seule solution, c'est de le faire enfermer. Enfermer? Mais tu... Chut! Ça vient. Bon, OK, on va finir le cours à la Bibli, puis oubliez pas, hein, je veux une page de composition avec le ciel à voir seulement. Ça va, Yannick? Ah ouais. Sûr? Ouais, super facile. Cette fois, c'est pas de nos affaires. Parce que c'est pas d'un enfant dont on parle. Exactement. Cette femme peut prendre soin d'elle-même. Mais ça a bien l'air que non. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien. Une discussion sur les propriétés de l'azote. Quoi? Ah, moi, j'ai bien entendu le mot femme, pas le mot molécule. Julien est fou. Fou furieux. Pénélope! Comment ça, fou? Violent. Extrêmement violent. On est allé manger avec lui. Au parloir. Pour faire le ménage suite au signalement. Puis ça s'est pas bien passé? Très! Ah, pour ça, oui. Mais là, il nous a parlé de Danielle Courtemanche. La connais-tu? Vaguement. Yaba. Pénélope, t'as aucune preuve de ça. Puis son œil au beurre noir. Oh, je comprends que nous sommes un peu secoués par tout ce qui nous arrive. C'est vrai que Julien nous inquiète, mais... Harold, si j'avais pas peur de vous effrayer davantage, je vous dirais la confidence qu'il m'a faite, là. Quoi? Mais quoi, quoi? Non, je pense que je vais vérifier des choses avant, avec lui. Tu vas pas nous laisser comme ça? Hey, sainte! Bon, mettons que pour le syndicat, je peux faire un bout. Mais pour le snack, ça, jamais! Tu faisais fort, hein? Ben, pas comme ça! Puis là, là, si Édouard, il embarque dans le projet de la douceur et puis de Louise Pouliot, là, moi, je divorce. Laisse donc faire! Ah oui, laisse donc faire pour toi! Laisse donc faire pour Édouard! Mais quand est-ce que vous allez vous en rendre compte que vos décisions ont des conséquences sur le monde autour de vous autres, maudits hommes? Mais peut-être quand tu vas te rendre compte que tu essayes d'emmener un peu trop large. Je vieillis comme tout le monde. J'ai plus l'énergie pour affronter les tragédies à chaque année, moi. Mais laisse faire d'abord. Ah, ben c'est facile, ça. Surtout que tu viens de m'annoncer là, que je vais peut-être me retrouver à la rue. Puis s'ils mettent de l'avant leur projet de mise à la retraite, là, moi, je vais quand même pas aller donner des consultations avec la douceur au snack d'Edouard. Pourquoi pas? Donner des cours d'appoint, librement, tu sais, à l'abri des maudites cloches, là, puis à l'abri de la pression de l'employeur. Mais moi, j'aime ça, des cloches. Puis j'aime ça, me battre pour la profession. Puis non, 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 je ne deviendrai pas une employée contractuelle d'une danseuse topless. Des préjugés. Ben, toi aussi. Le monde tourne. Moi au cégep, toi consultante. C'est ça, Mireille. Puis sais-tu quoi? Quand c'est rendu que je me retape, là, des récupérés du cheminement dans mes classes, là, qui ont lu pour tout poème dans le vil hymne à l'amour de Jacques Brel, là, je me dis que c'est peut-être un signe que le monde dans lequel on a vécu est en train de mourir. Passons à autre chose. Mais c'est épais ce que tu dis. Puis sais-tu pourquoi? Parce que t'auras beau repousser le problème en aval, là, tantôt, là, c'est au cégep que tu vas les avoir, tes récupérés du cheminement. Non, résistons, Pierre, résistons. Ben non, mourons. On va aller voir l'orienteur. Juste à cause de la caille. Pas juste lui, je suis pas prêt. Je comprends pas comment il pense qu'on peut sortir du cheminement et aller dans sa classe à lui. C'est si tough que ça? Ah, ben c'est Virginie qui est pourrie. Man, tu me décris, moi je pensais finir l'année au régul. Hey, c'est tellement tough, là, c'est comme si je suivais un cours de chinois, mais je comprends rien de ce qu'il dit. Ben, tu dis-tu que tu comprends pas? Ben oui. Puis, on dirait que ça l'écœure que je le dérange. Les autres rient de moi, là. C'est quoi? La petite école, là, c'est rien que de la marde. Lâche, même. Ben oui, restons en cave. Non, mais pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Pourquoi que la plupart du monde ici vont à l'école? Hein? C'est pour se trouver une job puis faire du cash. Moi, mon père, il m'en a laissé en masse du cash. J'ai même pas besoin de ça. Pas moi, mes parents sont vieux puis on est pauvres. Mais t'as trouvé une job. Dans quoi je sais rien faire? Pis t'sais, au moins, il y a de la mécanique. Moi, je suis nul. Pas plus que moi.
As-tu repensé à l'affaire de M. Deblois? Ça marchera pas, ça. Si t'essayes pas, c'est bien sûr. Ça marchera pas parce que ça a gagné à mon père qui a repris le contrôle. Puis j'ai aucun moyen d'y dire. Là, il faut que tu parles de ça à quelqu'un. À qui? Non, j'ai pas envie de le dire. Mais moi, je le verrai plus d'abord, il me fait trop peur. Pourquoi faire un drame alors, avant d'être absolument certain qu'on a raison de penser ça? Harold a de raison, là. T'es pas sensible au sort des femmes battues? Pas agir, Virginie, c'est se rendre complice des bourreaux. De la discrétion devant les élèves, je t'en supplie. En tout cas, moi, je vais faire quelque chose, je vous le garantis. Pénélope. Copidez-moi. Pourquoi tu te caches, là? Ben, je me cache pas, là. Madame? C'est toi qui écris ça. Mais là, dans tes travaux, t'écris pas comme ça. C'est qui fait tes travaux pour toi dans la classe? Tu voulais pas me parler de ta tante ou de ton oncle? Perspicace, t'es dans le bon métier. De? De Virginie. Écoute, je sais pas ce qui se passe entre vous deux, Elle te l'a pas dit. Non, j'en pensais moins discrète avec ses amants. Non, on n'est pas amants. On apprend à se connaître, puis on a du plaisir ensemble. J'aime Bernard. On a fait l'amour ensemble, c'était fabuleux. J'ai jamais fusionné avec un gars comme ça. Pourquoi tu me dis ça à moi? Parce que t'as de l'influence sur elle. Elle l'aime plus, ça paraît. Aide-moi. Aide-moi à quoi? Je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Bernard se sent coupable. Tant qu'elle va le tenir attaché, il pourra pas faire le move. Mais si toi, tu lui parles, elle va comprendre. Peux-tu faire ça pour moi? S'il te plaît.